sport sur Active Radio. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du match qui s'est déroulé ce week-end? Alors, nous avons rencontré Doulaincourt pour le compte du troisième tour de la Coupe de Marne. C'était notre premier match officiel de la saison à domicile et toute l'équipe, c'est vrai, avait à cœur, je pense, de bien faire. Alors, pourtant, le match a démarré sur un faux rythme avec une équipe visiteuse bien groupée devant son but. Malgré cela, nous avons eu, bon, je dirais, la maîtrise des débats grâce à une supériorité technique au milieu de terrain et nous avons pu inscrire deux buts grâce à Martin et Bourbon. Après la pause, nous sommes repartis sur un train de sénateurs avec une équipe de Doulaincourt assez courageuse, hein, qui s'est jamais découragée vraiment et qui a défendu toutes ses chances. Un but de part et d'autre sera inscrit au cours de cette deuxième mi-temps, mais comme vous le voyez, bon, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose durant ce match. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du match qui va se dérouler ce week-end, la prochaine rencontre? Oui, alors dimanche prochain sera le retour du championnat, hein, après la coupe championnat, donc en recevant l'équipe de l'Ornel 2. Alors c'est vrai que c'est encore une réserve, donc c'est difficile de savoir à quoi s'attendre, hein, sachant qu'ils ont perdu leur premier match de championnat, donc on espère confirmer nos bons débuts.